Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite sélection de Noël. Bon les gars, on change de décor, c'est pas du tout décoré, c'est le bordel de ouf. Il est 15h44, je dois sortir la vidéo pour 19h ou peut-être 20h voire 21h si j'ai le temps. Je vous ai fait une petite sélection de 10 paires de sneakers sur le site de With The New. Je pense que c'est des paires qui sont cool à offrir ou même à se commander pour Noël si tu veux faire une tenue cool. Tous les liens bien sûr sont dans la description, les BG comme d'habitude. On commence avec la première paire. Première paire, on a une paire de Dunk High Aluminium que je surkiffe, et la vérité, elles sont jolies de ouf. Ces couleurs un peu pastel, moi je kiffe. En ce moment sur With The New, au moment où je tourne la vidéo, il reste jusqu'à ce soir, il y a un code. Le code c'est HOLIDAYS10, donc ceux qui veulent profiter, ou si jamais vous avez jamais commandé, vous avez moins 15€ sur votre première commande dès que vous vous abonnez à la newsletter. Mais il faut que ce soit sur sa première commande, après tu peux créer un autre compte, ça coûte rien du tout, ça prend 30 secondes. En moyenne, la paire est à 230€, donc je trouve ça vraiment pas excessivement cher, même si ça reste une dog, c'est quand même un coût à prendre en compte. Deuxième paire, petite paire de Air Max One Pata Aqua, elle est juste magnifique. J'ai les Monarchs personnellement, mais je trouve que les Aqua sont plus jolies que les Monarchs, je sais pas pourquoi. En vrai, je suis plus côté bleu que ce orange. Je sais pas ce que vous en pensez, quelle couleur vous préférez en tout cas. Moi, j'aime pas les Bordeaux qui sont sortis. Les noirs, ça passe, mais je suis pas fan. Pour moi, la meilleure des quatre, c'est la bleue. En termes de prix, on monte jusqu'à 360 et il y a certaines tailles qui sont à 220, 230. Pour le moment où je tourne la vidéo, peut-être les prix changent. Et si vous voulez pas prendre sur With The New, les gars, allez sur StockX. Ensuite, paire suivante, une paire de New Balance 2002R Protection Pack. Elle est juste insane. Personnellement, j'ai la grise, mais la blanche est vraiment très cool. Très salissante, mais j'ai vu des customs passer à gauche à droite. Si un jour je dois acheter cette paire, je peux vous dire que je fais un custom de fou malade dessus. Je demande à quelqu'un de le faire, pas comme on a fait avec la saca, la trempée dans la teinture. Je pense qu'il y a des trucs à faire, genre Staniflu l'avait montré une petite photo et c'était juste insane. Bon, en termes de prix, c'est très varié, il y a de 260€ jusqu'à 400 fonction détail, mais après n'hésitez pas à prendre le code référence et à checker, peut-être sur Vinted c'est moins cher, peut-être aussi sur d'autres sites. N'hésitez pas à fouiner, c'est juste une sélection que je vous fais. Paire que j'aime beaucoup aussi, petite blazer Cause l'eau qui est vraiment patate. Cause Sakai même, d'ailleurs j'ai pas précisé. Là c'est sur le coloris bleu, il y a un coloris violet qui va sortir les gars, je pense que je vais essayer de me cop ça parce que c'est vraiment cool. J'aimais pas trop au début quand il n'y avait pas Cause, je commençais à apprécier quand il y a eu les coloris Sakai un peu vert, jaune, les oranges grises, etc. Je commençais vraiment à apprécier, je voulais m'en prendre une, je me suis dit non on va attendre et tout, et j'ai vu que bah, y avait des gens qui avaient teasé cette collab là, donc je pense que je vais essayer de me cop la violette. Je pense que c'est easy cop, dans tous les cas les gens vendent pas ça très très cher. Elle fait partie des HOLIDAYS 10, donc c'est cool, moins 10%, ça te fait, on va dire, entre 23€ de réduc et un autre prix, donc en fonction de la taille que tu prends bien sûr, mais c'est vraiment pas mal. Si vous voulez la promo, faites vite, parce que je crois que ça se termine dans 7h au moment où je tourne la vidéo, donc je vais essayer de monter ça vite pour qu'un maximum de personnes en profitent. Une petite paire de Air Force One, la Pécan, je sais pas comment ça se prononce, Next Nature Pécan, les noix de Pécan. Très cool, je trouve que ça passe avec pas mal de trucs. On est dans le délire un peu marron, crème, de tout ce qu'on voit en ce moment. Ça me parle personnellement, je pense que c'est une paire en bluff, je la porterai avec grand plaisir. Si ça se trouve, même elle est dispo sur des sites, je pense pas qu'elle soit sold out sur Nike par exemple. Enfin, quoique, en vrai, je dis ça, je ne sais rien. C'est une paire femme, donc ça va que jusqu'au 44,5, mais les prix sont quand même abordables, surtout si vous avez les codes de newsletter et un petit code HOLIDAY. Je sais pas sur cette paire ça marche. Ça va entre 180 et 220€ en fonction des tailles, ça va jusqu'au 44,5 paire femme. Si vous avez le code newsletter, bah ça vous fait moins 15€ en moins et c'est cool. Et en plus, normalement, le shipping est gratuit à partir d'une certaine somme sur With The New, si je dis pas de bêtises. Ensuite, un autre coup de cœur chez New Balance, la 550. J'ai pris le coloris navy parce que c'est le coloris que j'apprécie le plus. Il y avait aussi le coloris vert, il y avait le rouge aussi. Mais vraiment, le navy, c'est vraiment patate. Cette paire-là, dans les petites tailles, ça coûte super cher, mais à partir du 40 jusqu'au 45-46, ça descend un petit peu. Je pense que c'est une paire que je vais pas tarder à essayer parce que je vois tout le monde avec. Il y en a qui font des bêtes de tenues, c'est juste insane. Et voilà, il faut absolument que je refasse ma garde-robe. Je pense que l'objectif de 2022, c'est de s'habiller mieux et moins parce que j'ai trop de fringues. Il y a trop de trucs que je dois mettre en vente sur Vinted, les gars. Ça va être sale. Je vais faire plein de posts sur Vinted très prochainement. D'ailleurs, je pense que ce sera l'année prochaine parce que tu connais les impôts et tout. On a atteint le stade, le quota max, je crois. Et je pense qu'on fera une vidéo où on fera un giga drop, un dernier de chez le dernier épisode de Biros, la brocante. Sélection Vinted, on verra ça les gars. Paire de Jordan High Court Purple métallique qui est juste incroyable les gars. Je les ai eu en main il n'y a pas très longtemps et franchement je les trouve vraiment patates. Elles sont pas très très chères. Là je suis en train de check sur l'ordi et je vois qu'il y a des tailles 175€, grand max à 250 parce que c'est les tailles hommes en 44 et 44,5 qui sont assez chères. Mais ça en vrai c'est patate. Il y a juste, si vous aimez le violet, il y a juste un petit détail de violet. Pas forcément besoin de faire un rappel avec un sweat violet. Même si ça reste très très cool et je pense que ça passe avec tout. Bien sûr, faut apprécier, blanc, ça se salit très vite, mais comme c'est du cuir, ça se nettoie super facilement. En vrai, je vous conseille Jordan 1 pour l'hiver, c'est vraiment pas mal niveau confort et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais moi, bien sûr, je kiffe la paire. Petite Air Max One Lemon, donc j'ai pris coloris jaune
qui est pour moi le plus beau. Les roses sont très sympas, mais je préfère la jaune. En termes de prix, le moins cher, c'est 190 €. Après, comme je le répète, n'hésitez pas à diguer à gauche, à droite. Vous pouvez trouver sur d'autres sites des promos ou des peut-être des prix moins chers. N'hésitez pas à regarder sur la semaine. Des fois, ça monte, ça descend. Enfin bref, faut checker tout le temps si vous voulez avoir la meilleure offre. Petite Easy Foam ocre que je surkiffe. La vérité, je les ai au pied là. C'est mes chaussons, je les mets tout le temps. Bon, peut-être pas dehors là, parce que quand il pleut, t'as les pieds mouillés, c'est un peu galère. Mais en termes de confort, c'est top. J'aimais pas du tout cette paire là. J'ai retourné ma veste comme jamais et j'ai cliqué cette petite paire, comme vous avez pu voir dans la vidéo il y a pas très longtemps. Et franchement, moi je vous la conseille parce que ça change. C'est des prises de risque, ça peut te faire des bêtes de tenue et c'est super confortable, les gars. C'est juste insane. Je pensais vraiment pas que c'était aussi confortable. Pour finir cette petite sélection de 10 paires de sneakers pour Noël, j'ai décidé de mettre la Nike Sakai en collab avec Undercover. J'ai pris sur le coloris jaune, un peu citron, noir, etc. Parce que pour moi, c'est la plus jolie des 3 ou 4 qui sont sorties. Sakai, ça reste super confortable. C'est abordable comparé au prix qu'on avait sur les toutes blanches en nylon ou même les toutes noires. Après, j'ai pas trop vu les côtes, comment ça montait, comment ça descendait, etc. Mais je trouve vraiment le coloris super intéressant. Je pense que jaune va quand même pas mal revenir cette année, en tout cas même pour l'année prochaine. Donc il y a moyen de faire des beaux matchings. Cette vidéo touche à sa fin, les gars. Est-ce qu'on fait d'autres sélections? Quelle paire vous attendez, vous? Quelle paire vous voulez cop, etc. On va refaire des épisodes sélection sap, machin, sneakers. Je vais essayer d'arranger le décor parce que là, mon gars, le bleu, c'est une catastrophe. Peut-être mettre des posters, mettre des affiches. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si jamais ça peut vous intéresser. Prenez soin de vous, les gars. On se retrouve très bientôt pour du sale. Let's go!